Le programme Autochède est un partenariat stratégique entre le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas et quatre organisations non gouvernementales néerlandaises, à savoir IRC, CIMAVI, Wetland International et ACPO. Le programme Autochède au Mali se focalise sur deux grandes questions, la préservation de la qualité de l'eau et la gestion des déchets. Et la deuxième des questions sur laquelle le programme se focalise aussi, c'est l'accès universel durable au service WASH. Quelle est votre opinion actuelle sur la qualité de l'eau au Mali? Je dirais qu'à travers les études, la qualité de l'eau laisse un peu à désirer. Moi, je pense que la qualité de l'eau n'est pas assez examinée dans notre pays. Ce n'est pas trop une préoccupation qu'on peut nous entendre. On peut noter ça par les instances déjà de contrôle de la qualité de l'eau. Très souvent, on ne fait pas allusion à ça, même les officiels. Il faut reconnaître qu'au Mali, la qualité de l'eau n'est pas parfaite à tous les niveaux, notamment par rapport aux eaux de surface. On constate qu'il y a une certaine pollution et au Mali, 18 centres urbains sont desservis à partir des eaux de surface. Quel est le message que vous avez adressé aux décideurs politiques? Il faut coordonner les efforts pour une gestion intégrée de la ressource de l'eau et de l'assainissement ensemble. Donc il faut encore investir, pas seulement de temps, mais aussi de l'argent et aussi des efforts de coordination pour aboutir la meilleure coordination dans les secteurs et éviter un peu le travail en silos. Tout le but du programme de Watershed, c'est vraiment de valeur ajoutée à le travail ensemble de deux secteurs qui normalement travaillent séparés. Bon, à l'endroit des décideurs politiques du pays, peut-être qu'il va falloir faciliter l'action de la société civile. Et je leur dirais ceci, qu'il faut que chacun joue sa partition. Et les décideurs, notamment peut-être le gouvernement, ils sont censés être des garants des droits fondamentaux des populations et qui s'impliquent dans la mise en œuvre de ce projet, en quoi faisant, peut-être en faisant respecter les lois déjà votées par rapport à l'accès à l'eau et la qualité. Ensuite, les politiques, le respect des politiques déjà qui est sur place. Simplement, plus ou moins en termes de statistiques, le taux de couverture en eau, qui est là de 64-65% en matière d'eau, et par rapport à l'assainissement qui tourne autour de 23-24%, vous comprenez que vraiment ce n'est pas des taux éloquents. Donc cela veut dire quoi? Nous devons préserver cette nature-là qui est périssable. L'enveloppe de l'État qui tourne à l'ordre de moins de 2%, nous estimons qu'elle est vraiment basse. Il faut que l'État revoie son budget national allié, comme on appelle, à l'hygiène, à l'eau et à l'assainissement, et demander un appui aux partenaires. Inscrire cet accès à l'eau potable comme un droit, élément fondamental dans la constitution malienne, pour moi, ce serait vraiment un grand succès. Selon vous, quelle serait la valeur ajoutée du programme Watershed? Dénonciation fondée sur les preuves. Citoyen. Pertinence. Renforcement de capacité. Le contrôle citoyen.